Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. On va parler Espagne ce soir parce qu'on va parler Coupe du Roi avec le Real Madrid qui s'est qualifié mais juste avant la preview, la prévia comme on dit en Espagne du Barça qui joue ce soir. Ce soir, vous allez voir tous les plans de Xavi. Les amis, aujourd'hui, je vais commencer par un message personnel. Maman, je t'embrasse très très fort. Et vous allez comprendre à juste titre pourquoi. Parce que le Barça et ce soir du côté d'Alicante. Pour jouer en Coupe du Roi, ma mère est d'Alicante. Voilà pourquoi je t'embrasse très très fort, ma petite maman. On joue ce soir match de Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi pour le FC Barcelone face à l'équipe de l'Intercity, l'équivalent de la troisième division espagnole. Attention à ce match piège. On va ouvrir cette presse catalane pour voir quelles sont les armes de Xavi aujourd'hui. Voici c'est une. Avec notamment sur le plan défensif, le retour enfin de monsieur Araujo, le défenseur international uruguayen qui s'était blessé en début de Coupe du Monde. Vous le savez, on compte sur lui parce que cette Coupe a de l'importance. L'élimination en Ligue des Champions, on se bat maintenant sur les tableaux restants. La Liga, on est en tête avec le Real Madrid, coude à coude. Et on veut aller chercher cette Coupe. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce sera Araujo et 10 de plus. Et notamment sur le plan offensif, où comme je vous le disais hier, Xavi attend du but. Lewandowski est but. Mais attention, il ne sera pas là ce soir, laissé au repos. Il attend que son artillerie secondaire marque davantage. On ne marque pas assez du côté du Barça et on veut en profiter dans ce match de Coupe. Cette valeur Coupe a une importance. C'est le dernier trophée remporté par le Barça sur les trois dernières années, les amis. C'était Ronald Koeman qui en était le coach des 31 éditions de cette Coupe du Roi, le détenteur du record. Et eh bien, c'est le Barça. C'est une compétition qui compte à Barcelone. Cette euh, Coupe du Roi, conférence de presse habituelle, bien évidemment, pour Xavi, interrogation notamment sur Ansu Fati et son état physique, pas d'inquiétude selon le coach, on va trouver les bonnes solutions, le bon rythme pour qu'il marque de nouveau la différence, les différences lui le petit prodige de l'école catalane, on a interrogé sur Lewandowski, vous le savez qui était de retour, euh, qui était de retour le week-end dernier, il devait être normalement suspendu face à l'Espagnol Barcelone et puis euh, il y avait eu quelques euh, problématiques suite à une exclusion et un carton rouge qui valait normalement qu'il soit suspendu. Le Barça avait posé plusieurs recours pour obtenir gain de cause. Au dernier moment, il a pu jouer, il n'a pas marqué. Mais l'Espagnol a de nouveau agité le mouchoir blanc et a dit il n'aurait pas dû jouer. Du coup, c'est reparti en mode investigation autour de Lewandowski et on s'interroge quant à savoir s'il sera oui ou non là le week-end prochain. En plus, face à l'Atlético Madrid. Attention à ce dossier. Xavi veut avoir des éléments de réponse. Et puis, il est également revenu sur le cas Memphis de Paille et le Mercato. Écoutez bien sa réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il annonce que le Mercato... Hivernal ne sera pas très agité du côté du Barça et lui veut garder Memphis de paille. Vous allez voir si oui ou non il est dans son plan de départ euh, ce soir pour affronter euh, l'Inter euh, City. Voici ce plan, il est ici, vous l'aurez donc noté. Araujo est enfin donc de retour et ce sera donc lui et 10 de plus, je vous l'ai dit. Lewandowski laissé au repos plus Pedri, les deux hommes en attendant le match face à l'Atlético Madrid. Je vous en ai parlé hier. Regardez, a Peña, je vous l'avais annoncé, ça. Il a pris, ça y est, la licence d'équipe première parce que le règlement, comme je vous le rappelle, fédéral de la Coupe du Roi, qui n'est pas le même de la Ligue que celui de la Ligue, lui interdisait selon ses conditions de pouvoir jouer en Coupe. Le Barça veut le faire jouer euh, en Coupe, du coup on lui a passé une licence équipe première, ça y est, avec le numéro 13, et il devrait être là ce soir. Vous allez le voir dans ce euh, plan de bataille que je vais vous dévoiler. C'est probable. C'est probable, attention, donc pas de Lewandowski et pas de Pedri. Regardez, même fils de paille, il serait donc titulaire à la pointe de cette attaque. Donc, Iñaki Peña serait là. Eric Garcia avec Araujo. Bellerin, ici, sur le flanc 3. C'est un gros poste. Il y a cinq joueurs qui peuvent jouer sur ce côté-là. Ce serait Bellerin qui serait aligné ce soir. Il est en fin de contrat en juin prochain. C'est un dossier à suivre. Ce serait le petit Alejandro Valdez sur le côté gauche. Busquets, Pablo Torre. La petite petite pépite qui est arrivée du Racing Santander. Ça y est, qu'on lancerait enfin dans la danse. Caissier, ici, pour apporter un peu de muscle. On dessous Fatih donc avec son numéro 10 sur le côté gauche, Memphis de et Ferran Torres. Donc gros, grosse opportunité pour Memphis de qui pour l'instant cette saison n'a marqué qu'à une seule reprise, je vais vous parler de la volonté de voir Xavi et ses buteurs marqués au-delà de Lewandowski, grosse opportunité pour Memphis paille attention au match piège pour Xavi, il sait ce que c'est jouer face aux petites équipes lorsqu'il était joueur au début de ce siècle, au début des années 2000 à trois reprises contre des petites équipes il a été éliminé lorsqu'il était joueur et attention parce que lui, il sait ce que c'est que d'éliminer, ou en tout cas de battre le Barça, lui là, c'est Siviero, c'est l'entraîneur de majorque, c'est un ancien joueur comme vous pouvez le voir il sait ce que c'est que la victoire face au FC Barcelone. Il les a battus à trois reprises, en quatre matchs, à trois reprises, en quatre matchs. Et c'est un coach qui a réussi deux ascensions avec l'Intercity. Il va avoir très certainement le bon plan en tête pour essayer de déstabiliser cette équipe du FC Barcelone. Voilà pour le point complet. Maman, je t'embrasse encore très très fort. Euh, depuis mon petit bureau, on attend ce soir ce match entre l'Intercity et le FC Barcelone. Les amis, le Real Madrid s'est qualifié hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi grâce à l'unique but du petit brésilien Rodrigo ici embrassé par Carlo Ancelotti. Ça a été un match compliqué pour le Real. Une pelouse catastrophique, on était au plein cœur de l'Extrémadur, à Caceres, c'est à l'ouest de l'Espagne, à mi-hauteur avec le Portugal, pas loin de la frontière, équipe de quatrième division qui a superbement bien joué. Le Real s'en sort in Extremis, il y a eu quoi Rodrigo et rien de plus. Rodrigo et merci, voici le... Et une du titre de As, Rodrigo y Gracias avec cette même bise de Carlo Ancelotti. Rodrigo a sorti sa baguette magique, but inscrit avec en plus hommage rendu, vous vous en doutez, à, au roi Pelé. C'est le seul qui a été mis en exergue grosso modo dans ce match également avec Asensio. On va y revenir. Voici les principaux titres. Ancelotti en conférence de presse a été clair pour moi, ça, c'était pas un match de football. Et puis il y a un autre homme qui a été souligné. De façon un poil négative, c'est aidé Nazar. Vous allez le comprendre dans cette nouvelle édition. Regardez les pages intérieures du quotidien Marca avec donc la photo de Rodrigo, Rodrigo Chaca Al Madrid, del Apuro. C'est lui qui donne main forte. C'est lui qui a aidé le Real à sortir de cette situation. Quelques stats ici. Neuf frappes de la formation de Caceres. Casemiro, neuf frappes. Deux de plus, deux de plus que le Real Madrid. Même si sur ces neuf frappes, une seule a été cadrée. Mais l'équipe de quatrième division a davantage frappé par rapport au Real Madrid voici quel était le plan équipe B hein, vous l'aurez compris côté Real Madrid pour ce match de coupe à la place de Thibaut Courtois préservé dans les buts c'était Lunin, Chouameni et Kamavinga eux étaient titulaires Asensio a joué tout le match très intéressant lui est en train d'après moi de gagner des points il est en pleine renégociation de contrat il pourrait finalement rester au Real Madrid Ceballos lui selon moi on a perdu dans ce, dans ce match Militao en défense centrale sur les flancs il y avait du Lucas et du Audrey Solar. Rodrigo était donc là. Capitaine hier soir, c'était Nacho avec son numéro 6. Et donc, Eden Hazard qui était titulaire dans les plans de Carlo. Voici les notes proposées par le quotidien Marca. Regardez, vous les connaissez, ces notes. Le max, c'est 3. La bulle, c'est quand il y a ce petit trait. Et vous l'aurez compris, Chouamini, il a pris une bulle. Il y a une autre bulle, elle est pour Eden Hazard. Vous allez comprendre pourquoi. Les changements opérés dans cette rencontre, à la mi-temps, Rudiger est entré à la place de Militao. Et donc, Valverde à la place de Chouamini. Quelques minutes plus tard, Bayerro à la place d'Audrio Sola et puis la jeunesse très intéressante pour l'avenir notamment un homme que moi j'adore c'est Arribas qui rentre à, à la 81e minute à la place euh, d'Asensio et puis Alvaro à la 67e à la place de Eden Hazard, et juste après, le Real Madrid a marqué. Voilà qui appuyait un peu plus sur la tête, tête d'Enna Hazard, Vous l'aurez compris, dans ce match, les papiers ont été clairs. Regardez ici, deux sur Hazard. Hazard tampoco baja Alvarro. C'est-à-dire que même là, titulaire, il n'est pas grosso modo descendu euh, au taf euh, faire le boulot. Papier un peu dur, mais les chiffres sont, sont là. Casualidad, pero se fue Hazard. y la concordance de temps, c'est que Hazard est sorti, et juste après, le Real Madrid a marqué. Le sort s'acharne sur l'ami international belge. Regardez le plan de départ ici sur le positionnement moyen des 11 titulaires sur ces 90 minutes. Pardon, je vous ai oublié Kamavinga. Pardon, pardon, monsieur Kamavinga, ici avec le dossard numéro, numéro 12. Voici le plan de bataille. Je vous ai mis ça pour vous montrer quoi La position de numéro 7 d'Eden Hazard. Voici sa zone d'activité. Elle est assez faible. Elle se traduit également en chiffres. Je voulais vous montrer ce dernier élément d'explication. Regardez ces. Ces stats stats, minute jouée, 68, 0 but, 0 passe décisive, mais regardez surtout le nombre de tirs. Tir cadré, 0. Tir non cadré, logiquement 0. Tir arrêté, 0. Tentative de... De dribble, zéro également. C'est une bulle totale ici pour Eden Hazard. C'est vrai, le match a été compliqué pour l'ensemble du Real Madrid. Mais les talents comme Eden Hazard doivent sortir la tête de l'eau dans ce type de match. Cela n'a pas été le cas. C'est compliqué pour l'international euh, belge. Regardez d'autres stats évoquées. Et puis, je vous ai mis également les colonnes de la presse nationale pour lui, justement. Les dernières heures de Bruxelles, avec un papier clair et un titre, Eden Hazard déçoit. Que va-t-il se passer pour aider Nazar quant à l'avenir du Real Madrid en Coupe du Roi Donc, cela se poursuit. Qualifié pour les huitièmes de finale.